energy and climate issues in their green paper. And the consultation is running now, and at the same time next week the European Council will have a meeting where perhaps some rather radical decisions on the future will be taken. This seems like a little bit of an odd coordination or timing, but I'm sure that this has been contemplated very, very carefully. How does now the Commission see and act on involving European citizens? Shall I not be asked for a resource? Yes, thank you very much, Mrs. Chairman, and I am very pleased to be here, and I was the only one speaking French in this session. I think that will create a balance for this session at least. Je voudrais aussi préciser que je suis conseiller spécial du commissaire Oettinger, qui est responsable pour l'énergie, mais que je n'ai pas eu l'occasion de débattre avec lui sur ses idées, les idées qui ont été débattues aujourd'hui, et que donc je vais plutôt parler en capacité personnelle, et sur base de mon expérience des grands débats européens. Je crois qu'il faut quand même être très clair en disant qu'on peut difficilement avoir un débat citoyen européen s'il n'y a pas un débat citoyen national derrière. Donc il faudrait commencer par le commencement. Si on veut avoir une politique de l'énergie fondée véritablement sur une approche bottom-up, comme on dit, et pas sur une approche top-down, il faudrait effectivement leur créer les forats nationaux ouverts, transparents et indépendants dans les 27 États membres. Et ça, je ne le vois pas. On a un exemple allemand qui est assez récent, on a un exemple espagnol qui est, je le rappelle, une expérience pilote soutenue par la Commission européenne, ce qui veut dire qu'on est quand même très ouvert sur toutes ces expériences de ce type-là. Et donc en attendant, on a une politique européenne de l'énergie qui est en train de se faire. Et je rappelle que la principale impulsion a été donnée en octobre 2005 par Tony Blair, qui présidait un conseil européen à Hampton Court, qui a donné lieu à un livre vert de la Commission en mars 2006 sur une énergie compétitive, sûre et durable, c'est-à-dire les trois piliers de la politique énergétique européenne aujourd'hui. Lequel livre vert a donc donné lieu à des commentaires par tous ceux qui étaient intéressés, puisqu'il y a une consultation publique qui a duré à peu près 9 mois. Et en janvier 2007, la Commission européenne a mis sur la table les ingrédients de cette politique européenne de l'énergie, non pas des instruments législatifs, mais essentiellement des communications. Des communications qui sont des instruments encore à discuter. Et en mars 2007, le Conseil européen, présidé par Madame Merkel, a pu se mettre d'accord sur des conclusions appelées « An Energy Policy for Europe ». Ce n'est pas une politique commune. C'était simplement les ingrédients d'une politique européenne de l'énergie, mais pas du tout une politique commune. Et tous les ingrédients de cette politique ont été listés dans ces conclusions de mars 2007. Et j'invite tous ceux qui sont dans la salle ici, qui sont intéressés à savoir comment la politique européenne de l'énergie s'est développée, à relire ces conclusions, parce que tout ce qui est dans ces conclusions est encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et c'est là où il y a eu un accord sur les objectifs 2020 en 2020. Et je peux vous dire que la diplomatie allemande n'a pas ménagé ses efforts, effectivement, pour convaincre tout le monde d'aller dans cette direction-là, parce que je me souviens que un mois avant le Conseil européen, il y avait 5 États membres qui étaient en faveur d'un objectif contraignant en matière de renouvelables. Donc, à partir de ces conclusions, la Commission a mis sur la table les instruments législatifs, c'est-à-dire des propositions de directives et de règlements qui ont été soumis au Conseil des ministres de l'énergie et
au Parlement européen, dans la procédure de décision co-législateur, c'est la procédure de co-décision, qui a été conclue à la fin 2008, sous présidence française. C'est M. Sarkozy qui a présidé le dernier Conseil européen en décembre 2008, qui a donné lieu aux derniers accords sur la directive sur les renouvelables, sur les objectifs de 20% et la déclinaison de cet objectif de 20% en objectifs nationaux comme les 16% polonais. Et c'est donc à partir de 2009 que ces instruments-là ont été mis en œuvre. Ils sont encore mis en œuvre, y compris le troisième paquet, marché intérieur de l'énergie. Donc, il faut voir que ce débat européen est vraiment extrêmement récent. On parle ici de 5 ou 6 années, et entre-temps est entré en vigueur l'article 194 du traité de Lisbonne, qui a finalement donné une base juridique à une politique énergétique, une politique de l'énergie au niveau européen, avec effectivement des ingrédients, certains ingrédients, pas tous, parce qu'on trouve là-dedans, effectivement, dans l'esprit de solidarité et dans le contexte d'un marché intérieur, l'objectif de faire des renouvelables, de l'efficacité énergétique, évidemment des interconnexions, et d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Avec deux réserves importantes. Un, le mix énergétique reste national, une décision nationale, et l'exploitation des ressources dans le territoire national reste une décision souveraine des États membres. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, il n'y a pas évidemment de surprise à voir que le débat public en Europe est aujourd'hui extrêmement diversifié. Si vous allez dans les pays baltes, le débat public, il est très simple. C'est un débat sur l'indépendance énergétique par rapport à une dépendance extrêmement importante et trop importante vis-à-vis du grand frère à l'Est, qui est la Russie. Si vous prenez tous les pays d'Europe centrale et orientale, ce problème-là est un problème majeur. Et il peut dominer, en Pologne, il a longtemps dominé les débats d'ailleurs, mais aujourd'hui il est devenu différent. Et évidemment, la politique charbonnière de la Pologne doit aussi se voir dans un contexte d'indépendance énergétique et d'exploitation de ses ressources propres. Et évidemment, en termes de compétitivité aussi. Alors, si on bouge de l'Est vers l'Ouest, et si on se trouve au centre, prenez l'Autriche. L'Autriche qui a évidemment les Alpes, et elle a donc beaucoup d'eau, et elle a aussi du vent, et elle a parié tout sur le renouvelable, et elle est en plus extrêmement anti-nucléaire, ce qui pose des problèmes avec ses voisins, comme la Tchéquie par exemple. Et alors bon, on arrive en Allemagne, où effectivement c'est aussi maintenant les renouvelables qui dominent, et si on va vers l'autre extrême de l'Union européenne, comme la péninsule ibérique est encore très inquiète par sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'importation, etc. Mais elle a développé les renouvelables comme ressources domestiques. Donc, si on regarde le débat dans chaque État membre de l'Union, les composants de ce débat sont extrêmement différents. Et le fait qu'au niveau de l'Union européenne, on n'a pas d'accord sur évidemment un mix énergétique, fait que le débat est extrêmement compliqué au niveau européen. Donc, on a un dénominateur commun évident qui est la décarbonisation. Tout le monde est d'accord sur la décarbonisation. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment la faire, et déjà le débat nucléaire renouvelable, ou le rythme avec lequel il faut le faire. Et je viens d'entendre mon ami Malgorzata dire une question de temps pour arriver aux objectifs. Et c'est vrai qu'il faut toujours trouver cet équilibre entre compétitivité, durabilité et sécurité d'approvisionnement. Ça, c'est les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau européen pour essayer de faire en sorte que ce débat soit un débat citoyen? On a créé, effectivement, des obligations qui sont très claires. Quand on fait une proposition, la Commission prend l'initiative d'une
proposition, mais auparavant, elle a fait une consultation publique, par exemple sur le livre vert qui a été adopté en février de cette année avec un délai de consultation qui est le 2 ou le 4 juillet prochain, sur les objectifs 2030. Et la Commission, elle fait aussi des études d'impact sur ces propositions. Tout ça est dans le domaine public et peut être discuté par tout le monde. Alors évidemment, on a, et je rappelle que la Commission est une institution qui est extrêmement ouverte. Je peux vous dire que nous passons un temps énorme à recevoir des représentants de du monde entier, je dirais, de l'énergie, depuis les consommateurs, les organisations de consommateurs, jusqu'aux organisations de producteurs, et les représentants des régions, les représentants de l'industrie qui fournit évidemment les équipements, etc. Donc on a évidemment une vue 360 degrés de ce qui se passe, ou de ce qui se dit, de ce qui se fait, mais ça n'est pas encore effectivement le débat citoyen dont on parle ici. Alors on a créé des forums, on a le forum, depuis 2000, on a un forum qui discute de l'électricité, c'est un forum 360 degrés avec tous les participants du secteur de l'électricité, on a un forum du gaz, qui est le forum de Madrid, on a un forum nucléaire, on en a parlé tout à l'heure avec l'exemple espagnol, et qui a donné lieu à cette discussion. On a un forum sur les combustibles fossiles qui se réunit à Berlin depuis longtemps, et la dernière réunion que j'ai eu le plaisir de présider en octobre dernier a décidé qu'on ne ferait plus un forum sur les combustibles fossiles, mais on fera un forum sur le mix énergétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bagarres entre le charbon et le gaz et le renouvelable et le nucléaire, on va effectivement faire parler tous les interlocuteurs dans leur ensemble, et je crois que c'est extrêmement important. Alors, il y a un forum qui est mon préféré, je dois le dire, c'est le forum de Londres, qui est le forum qui a été créé en 2008, avec qui s'appelle Energy Citizen, et qui est vraiment adressé aux représentants de la société civile, je dirais au plus bas niveau, c'est-à-dire le consommateur individuel, non pas le consommateur industriel, le consommateur individuel, représenté par des organisations de consommateurs. Mais il faut être clair, la réalité est qu'il n'y a pas d'organisation de consommateurs digne de ce nom dans tous les États membres de l'Union européenne, parce que ce n'est pas nécessairement passé encore dans la culture ou la gouvernance d'un certain nombre d'États. Alors là où les organisations de consommateurs sont fortes, nous avons effectivement un vrai intérêt pour un débat sur les questions énergétiques, avec quelle est la place du consommateur dans le marché intérieur de l'électricité et du gaz, discussion sur la formation des prix, discussion sur le changement de fournisseur, discussion sur l'accès aux renouvelables, etc. Là, on a un vrai débat avec des organisations. Malheureusement, ce n'est pas encore un débat pan-européen, et ça, je crois que c'est une difficulté. Voilà, je voudrais terminer là-dessus pour donner cet exemple, aussi en disant que le marché intérieur d'électricité et du gaz va évoluer très vite maintenant, à mon avis, avec tout ce qui est en train de se faire, et que c'est finalement de l'attitude, du comportement du consommateur que les choses dépendront. Et donc le consommateur est central, il est aussi central dans l'intelligence à mettre dans le système énergétique, parce qu'aujourd'hui le consommateur devient aussi un producteur, et si on veut vraiment rendre les réseaux intelligents et le système intelligent, il faut créer toutes les interfaces nouvelles entre les consommateurs citoyens, les distributeurs d'énergie, les transporteurs d'énergie et les générateurs. Et ça, c'est la révolution énergétique qui est en cours de préparation, elle va arriver, et on aura alors tous les bénéfices que nous attendons effectivement de ce que nous préconisons depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est-à-dire une réduction de la consommation énergétique, une plus grande pénétration des renouvelables, et moins de CO2, ce qui est notre objectif à tous. Merci.